Alors que Raskina va s'élancer. Et c'est certain, malheureusement, beaucoup trop de quatrième place. C'est à la fois extrêmement encourageant et extrêmement frustrant pour la Française. Ce qui est certain, c'est que c'est l'une des toutes meilleures et que ça laisse beaucoup d'espoir pour Sydney pour l'année prochaine. Mais qu'elle aurait bien aimé quand même rentrer avec autre chose que des quatrièmes places, une petite médaille. C'est pas grave, Eva, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Et on en est certain, l'année prochaine, elle sera très très heureuse de décrocher une médaille. Allez, on s'occupe maintenant de Yulia Raskina, la Bélarusse, c'est important. Tempo énergique, beaucoup d'énergie aussi pour Yulia Raskina, huitième des derniers championnats d'Europe et surtout deuxième du concours général individuel, deuxième aussi par équipe. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine, la Bélarusse c'est minuscule. Hein. Il y avait une blague d'ailleurs, j'en parlais hier déjà, de l'entraîneur bélarusse qui disait, vous savez, la Bélarusse c'est gros comme un district ukrainien. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les résultats, c'est une nation qui est très présente, une toute petite nation, mais qui obtient des résultats très brillants. Alors, deuxième place, 9,958 pour Yulia Raskina. Elle aussi est abonnée aux deuxième places.